Salut à toi, bienvenue sur Nomadcarp TV. Donc aujourd'hui, je me suis levé assez tôt ce matin hein, pour venir pêcher ce petit plan d'eau que je connais super bien. Donc je vais faire une petite pêche rapide, juste la matinée ou la matinée et peut-être un peu grignoter sur l'après-midi. Mais en ce moment, il fait vraiment vraiment très chaud. Hier, on est monté à 39 degrés. Aujourd'hui, ça va être sensiblement la même chose. Donc là, le but, c'est d'essayer de faire un poisson ou deux assez rapidement là, parce que là, il fait encore 23, 24 degrés, donc ça reste raisonnable. Donc là voilà, les cannes sont posées depuis 5 minutes. Il est 7 heures passées. Il y a vraiment pas mal d'activités, ça saute de partout. Il y a pas mal de fouilles. Donc voilà, j'ai essayé de faire le minimum de bruit possible, d'être le plus discret. J'ai des tout petits plans, des tout petits hameçons, des appâts pareil, des tout petits appâts, j'avance très peu. Et je pêche en fil détendu, ce qui me permet d'avoir aucune pression de pêche quasiment sur mes spots, ou du moins la réduire fortement. Et puis voilà, donc si je fais un poisson, je vous tiens au courant. Donc voilà, plus de 3 heures de pêche, hein. Premier poisson. Pas un gros poisson, mais je suis content quand même. Avec la chaleur là, c'est pas mal de réussir à faire un fish. Un poisson, c'est un poisson. Elle doit faire 3-4 kilos là, une belle miroir bien combative. Donc je vais vous présenter ça et après je vous dirai avec quoi je l'ai pris. Voilà. Belle petite miroir, 3-4 kilos, pas plus. Petit poisson sympa. Là, je vais le remettre à l'eau parce qu'avec les chaleurs, pas trop les laisser dehors. Donc voilà, après ce premier poisson, je vais vous présenter un peu mon approche pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est une pêche rapide. Donc comme je l'ai expliqué en début de vidéo, il faut vraiment être le plus discret possible, pêcher en assiette si possible, enfin le plus précisément possible. Avec des appâts hyper attractifs, beaucoup de particules, surtout que l'eau est assez chaude, donc ça diffuse bien. Donc pour la canne qu'a fait le poisson, la première canne, celle de gauche, donc elle pêche à environ 1,50 m d'un caillou, dans 1,60 m d'eau à peu près. C'est un spot où les poissons tournent à peu près toute la journée. Donc il va être en plein soleil cet après-midi, donc je pense que ça va être assez compliqué de dérouler. Ce matin, il était encore à l'ombre quand j'ai fait le poisson. Et du coup, en fait, sur cette canne, j'ai juste mis un montage spinner rig, tout simple, avec un sac soluble, avec du stick mix au Scopex et du baby corn, et un petit peu de billes broyées. Et niveau billes, j'ai pêché avec une petite fruitella en 12 mm, juste sur le spinner rig, juste une petite pop-up décollée, et ça a permis de faire un poisson. Et pour ce qui est de l'autre canne, donc elle pêche, il y a une île à peu près à 2 mètres à gauche de l'île. Il y a une espèce de petit trou où les poissons sont souvent. C'est très léger, mais je les sonde à la canne l'autre jour, il y a un tout petit trou. Et les poissons, ils sont assez souvent. Et sur cette canne-là, du coup, j'ai une petite pop-up haïfois avec une bille haïfois en bonhomme de neige. Et pareil, avec un sac soluble aussi, et je balance quelques billes, genre une quinzaine de billes, pas plus. On va voir si j'arrive à déclencher une autre touche. Ce serait sympa. A plus si je fais un autre poisson. Poisson, canne posée, un quart d'heure, we get fish and cream. Une belle miroir, hyper combative. Un peu abîmé, mais bon, un super poisson. Thank you.
Thank you.